bien bonjour à tous les sportifs, aujourd'hui c'est Pierre-Yves qui va faire la séance. Oui, il y a eu un petit peu de changement, mais moi avec la chaleur, les cheveux ils ont tendance à tomber. Voilà, je suis un peu comme un arbre. Alors, aujourd'hui, petit travail sur les défis. On n'en a pas encore fait pour l'instant, ni moi ni mes collègues. Donc, je vais vous en proposer un aujourd'hui. Comme Johan vous l'a expliqué, les muscles vont dans un sens s'étirer et dans un autre sens se raccourcir. Un peu comme un élastique. Pour les obliques, ils se trouvent au niveau de la hanche jusqu'aux côtes. Quand je vais tourner mes épaules d'un côté, mon oblique opposé va s'étirer. Quand je vais tourner mes épaules du côté de l'oblique que je cible, il va se contracter. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Pour ce premier défi, c'est simple, vous allez vous mettre à table. Alors, pas pour manger, non, désolé, c'est pour faire du travail. Et on va simplement se prendre un petit verre d'eau que vous pourrez boire à la fin. Il ne faut pas oublier de s'hydrater, c'est important. Donc, on en prend plusieurs de verres d'eau. On les remplit pas non plus à fond, d'accord? Vous voyez, moi je suis à peu près à la moitié. L'objectif, ça va être de tourner les épaules, comme je vous l'avais expliqué précédemment. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre les verres d'eau à deux mains et on va les changer de côté. Simplement, de ce fait, vous voyez mes épaules qui se tournent, d'accord? Les épaules qui se tournent. Je prends mes verres et je pose. Pas très compliqué en soi, d'accord? Mais normalement, vous allez devoir sentir si votre bassin est bien enfoncé dans votre chaise. Les épaules qui tournent un maximum possible, histoire d'être à 90 degrés. Je prends avec les deux mains pour pas tricher, parce que sinon, on fait simplement ça. C'est pas intéressant. Donc, je tourne bien à 90 et je pose. Premier exercice, première consigne, très simple. Alors, je vous ai fait prendre un petit peu de recul, comme ça, vous allez voir la deuxième variante, la progression de l'exercice. Donc, on avait simplement fait un aller pour les verres. Là, ils vont faire un aller-retour. Si on veut rajouter la petite dose défi, on peut simplement, moi j'ai 5 verres, vous faites un petit concours dans la famille, avec les enfants, avec le mari, la copine, le copain, qui vous voulez. Bon, le chien, ça va être plus compliqué, mais vous me faites simplement ça, de faire aller le verre le plus rapidement possible d'un côté à un autre de la table, sans rien faire tomber, sans rien faire déborder sur la table. Sinon, il va falloir nettoyer, et ça, personne n'a envie de le faire. Donc voilà, deuxième exercice. Alors cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, on va se mettre au bord de la table, sa chaise bien au milieu, et on va rajouter une table basse. Si vous n'avez pas une petite table basse comme la mienne, on peut mettre une chaise, ça reviendra au même. Une fois que je suis installé dans ma chaise, je fais simplement prendre mes verres à deux mains d'un côté sur la table pour les mettre sur la table basse. Je répète jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de verre d'eau. Puis je fais le chemin inverse, du bas vers le haut, de la table basse vers la table. Une fois qu'on l'a fait dans un sens puis dans un autre, on va simplement retourner la chaise pour faire travailler l'autre côté. Troisième exercice et le dernier, on va garder comme tout à l'heure notre petite chaise, notre table basse. On va simplement prendre en plus un saladier avec des chaussettes. Forcément, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le saladier et la table basse si vous pouvez utiliser votre bac à linge. Alors, une fois que je suis bien installé dans ma chaise, avec mon petit stock de chaussettes sur les genoux, ou bien par terre, comme vous le souhaitez, je me mets en face de mon saladier et simple, comme au basket, je cherche à mettre les chaussettes dedans. Je suis plutôt sur une bonne série là. Voilà, la séance défi avec moi c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos résultats, mettre vos temps ou bien mettre vos questions juste en dessous dans les commentaires. On sera un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt. Salut les sportifs.